En cette année 2019, l'appareil judiciaire burkinabé a tourné à temps plein. Plusieurs dossiers dénoués et bien d'autres encore en instruction. Le procès Pouch de septembre 2015 connaît son épilogue après 18 mois de bataille juridique et judiciaire, avec son lot de requêtes formulées et d'exceptions soulevées, ses reports d'audience et déports d'avocats. Le verdict tombe le 2 septembre 2019. Le général Gilbert Djendjiré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, est condamné à 20 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Le général Djibril Bassolé, lui, écope d'une peine de prison ferme pour trahison. Plusieurs autres condamnations sont prononcées, des sursis accordés et des élargissements pour infractions non constituées. La plupart des condamnés font appel de la décision pénale. Pour la suite de la procédure, les débats se poursuivent sur les dommages et intérêts à payer aux victimes de ce putsch. La justice burkinabé gagne en galon et est sur plusieurs fronts, notamment le dossier Norbert Zongo. Après de longs mois de bataille judiciaire, la justice burkinabé est en passe de mettre la main sur le suspect du sérieux dans l'assassinat du journaliste d'investigation. La bataille judiciaire emportée, elle n'attend plus qu'un décret d'extradition de François Compaoré et subsidiairement l'avis du Conseil d'État si le décret fait l'objet de recours. En attendant, trois personnes sont inculpées dans ce dossier et remises en liberté provisoire depuis août 2019. Dans la même veine, les archives françaises sur la mort du président Thomas Sankara sont partiellement déclassifiées et fournies au Burkina Faso. Elles commencent à livrer leurs secrets et ont permis l'inculpation d'une dizaine de personnes et de deux mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Blaise Compaoré et de Yassine Kafando. Autre dossier judiciaire marquant de l'année 2019, l'affaire Charbonfin, dont l'instruction à la barre est en cours. Pendant ce temps, la justice militaire annonce la fin de l'instruction des dossiers Pont-Nazinon, un dossier connexe au dossier Poudrière de Yimdi. L'affaire Auguste-Denis Barry, poursuivie en 2017 pour tentative de déstabilisation et finalement inculpée en 2019 pour offre non agréée de putsch, et Safiatou Lopez, inculpée pour complot. En avril 2017, le dernier gouvernement de Blaise Compaoré était devant la Haute Cour de justice pour répondre des faits de meurtre, coups et blessures et autres infractions lors des événements d'octobre 2014. Un procès qui tourne court, bloqué par une exception d'inconstitutionnalité. Les textes de la juridiction ont été retouchés et depuis, on attend la réouverture du procès. Plusieurs autres dossiers sont en instruction au tribunal militaire de Ouagadougou et dans les tribunaux de droit commun. 2020 pourrait donc être une année très mouvementée pour l'appareil judiciaire.